Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Moons of Madness, take 2. On va retourner au rover. Il s'est passé un problème, en fait le jeu il a crash quand j'ai descendu. Voilà, il va tomber, je vais sauter, on va voir des gens bizarres. Voilà. C'est maintenant le moment fatidique, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ah! C'est ça qui était censé se passer? On recommence. Non, non, go down. What the hell? Oui, mais en fait, je sais ce qui s'est passé. Le jeu est scripté pour que tu survives si tu sautes sur les caisses. Par contre, si tu tombes 1m50 plus bas sur le sol, tu meurs. Parce que quand tu sautes de 5 mètres de haut, tu meurs pas, mais si tu sautes de 6 mètres de haut, là tu meurs. Voilà, tu vois, facile. Facile, facile ce jeu. Maintenant on comprend pourquoi il y a plein de quais de tombes là, avec des cairns et tout, là, on comprend. Bah voilà, quand l'ascenseur il tombe en rade, tu sautes et puis... puis tu meurs quoi, normal. C'était ma première mort en plus, je crois, non? Il fallait tester IRL, sauter 5 mètres de haut pour voir. Alors. Ça dépend en fait. Si t'as des coussins d'air en bas pour amortir la chute, tu peux tester. Si t'as pas des coussins d'air en dessous, bon, éviter peut être judicieux. Non. Foutez-moi la paix. Je n'ai pas envie d'acheter ce que vous vendez. En fait, c'est bon, la VOD est lancée. Ouf. Courageux mais pas téméraire. Oh moi toujours. Eh, j'ai fini les Dark Souls hein, quand même. Plusieurs fois en plus. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Dans une vie de gamer, c'est... C'est une petite fierté quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, de l'air. Bon, Mou du gland, c'est par où? Je peux pas alimenter le truc, il est capoute. Bah ouais. Pas de courant, il manque une batterie. Bah ouais, faut que je saute. Ah bah ouais. Facile ce jeu. C'est des clans ça? Bon, des clans... Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Va le voir, non. Non, je suis désolé. Je n'ai pas envie d'acheter ce qu'il vend, ça m'intéresse pas. Pourquoi la musique s'emballe? Ouais, enfin, c'est bon, le rover, il est... Il est où, le rover? Quoi ça? Ah.
Sinon, c'est encore loin ou... Alors, j'aime bien ça. Il était garé à côté, il est garé à 25 km. Bon, à la rigueur, il y a une logique dans un jeu d'horreur. Mais par contre, pourquoi il y a toujours de la lumière sur le chemin qui permet de survivre? Parce que genre, si les monstres, ils veulent te bouffer, moi, si j'étais un monstre et que je voulais bouffer un humain, je ferais en sorte qu'il ait aucun moyen de s'en sortir. Tu vois, il y a une logique derrière ma pensée. Mais dans les jeux et les films, non, il y a toujours un moyen pour l'humain de survivre. Et après, les monstres, ils s'étonnent qu'ils gagnent jamais, putain. C'est bon. À un moment, faut arrêter d'être un peu soupolé, les gars. Bon. On va retourner à la base, très probablement. Retourner voir Lovecraft Junior. Declan? Shane? Menace imminente. Oh, shit. Shane, you're all right. Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Luca said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. Okay. I'm glad you're all right, man. Please. Stay that way. On va trouver Lucas et on va l'aider à tuer une plante. Il y a un petit quelque chose de Resident Evil quelque part. On va sûrement devoir concevoir un poison qu'on va devoir injecter à la source. Très moi les héros, ça me connaît, je les ai tous faits. Sauf le dernier en date, RE2 Remake, que j'ai pas encore fini. Que je finirai probablement jamais parce que je suis Keblo sur un boss sans munitions. Bonjour. C'est pour ça qu'il faut jamais emmener de botaniste. Sur une planète autre que la Terre. Il faut pas, c'est pas bien. Ça donne toujours la merde. Ils veulent toujours faire des expériences là, créer des trucs mutants et ça finit toujours par partir en couille. Bonne galère. Oh, c'est bon. C'est pas parce qu'il y a quelques plans qui dépassent là que... Ok. Analyse de l'échantillon. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Ok. Alors, non. Alors, comme ça reste affiché sur l'écran, je vais mettre le truc là et je vais. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. T'as pas besoin du modèle. Oh, moi je... Je prends toutes les... Toutes les options. Je mets toutes les cordes sur mon arc, moi. Faut juste la logique et les connaissances. Je t'avoue que c'est chaud. Ah ouais. Donc tu ne me connais pas encore, Mademoiselle Clara TV.
Mais sache que la logique, le bon sens et les connaissances, c'est pas vraiment mon fort, donc ouais. Mais on n'en est pas encore là. D'abord, faut que je trouve les échantillons de merdier là. Flowers. Whoa, exploding flowers. Flowers. Mais c'est bon, je suis loin là. Pas le mien non plus. Ah bah c'est pas le fort de grand monde hein. Enfin de la communauté du streaming après hein. Quand je regarde ma communauté voilà quoi. C'est par là. Oh shit. The research lab is completely blocked by it. Hold tight Lucas. There has to be a way to get rid of it. Can't touch the walls, can't open the doors. On va pas me sortir que tout est là-dedans. Les échantillons ils sont déjà. Attends, comment on fait pour l'inventaire déjà? C'est où? Ah. Bon d'accord. D'accord. D'accord, il y a plus de fioles. Ça c'est le pistolet qu'on va utiliser pour lui injecter dans le... Pour faire un... Enfin voilà quoi. Elle baisse automatiquement? Non mais... Mais bordel de... Oh mon dieu... Oh mon dieu... Bon bah c'est la fin. Oh dear lord. Ah oui, oh, ah oui d'accord, je vois le... Oh. C'est pas humain ce qu'il me demande de faire là. Est-ce qu'il peut t'aider? Le reste, je pourrais pas, je comprends rien. Faut que tu équilibres deux en face de deux. On va voir si j'ai compris. Tu mets deux échantillons d'un côté, en face, t'en mets deux aussi. C'est la fin. Merci à tous. Oh merde, je comprends rien. Je pourrais pas spoil. Ah non 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 mais il faut pas. Euh...
Irlande, délivrez-moi. Bon, stop, attends, je sors tout et je recommence. Bon. Je vais commencer par celui-là. Ok. J'ai compris le principe, hein. Donc, oh putain, non. Non. Non, j'ai pas trouvé. Oh putain, j'ai trouvé. Oh. Allez, vas-y, c'est bon, trop facile ce jeu. That did it. Oh là là. Oh, quel talent. A little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorching metals and detritus out here. Let's start cataloging, but we're not salvaging. Laisse-moi deviner. Walking around a crime scene. Là. Ah ouais, ça. Damn it, Lucas. Declan, Lucas is dead. Lucas is fucking dead. Oh, God, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, hey, hey. Breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. Rip, Lucas. Ouais, enfin, ça va. Non, ça j'avais déjà pas lu, je crois. J'avais déjà pas lu ça, c'est bon, c'est fait. Je dois faire quoi d'ailleurs, je... Ça dit pas les normes de sécurité, non. Donc, comme au taf, je lis pas, moi. Lucas et Ina both knew this could happen. Software updated, not Orochi certified, but if Lucas was correct, a quick scan with the biogate should trigger the plant's bloom with a high frequency pulse. Hein? Quoi? Oui. On va faire ça. J'ai rien écouté. Prendre. A final gift. I hope it was worth it. Préparer le poison plus puissant. Ah non. Bon bah on va faire ça. Hein. I'll need to use the centrifuge again. Oh. Oh, c'est fait. Oh non! Bon bah, on recommence hein. Resident Evil Junior, bonjour. Ouais. Allez, hein, moi je recommence à zéro. Hein. Suffit les conneries. Bon! Je...
T'as compris le truc ou tu fais au hasard? Non, non, j'ai compris le truc. J'ai compris le truc. Donc je vais commencer par celui-ci. I understand what I need to do. On va mettre ça. Je vais pas encore trouver du premier coup quand même. Je vais quand même pas faire ça. Je vais quand même pas faire ça une deuxième fois d'affilée. Mais putain! Une machine! Quoi? Culé. Comment ça balance? Oh non. Ah bah j'ai rien dit. Hein. Non. Quelle horreur. Et si genre je le mets là? Ça marche non? Allez. Oh bah non. Putain de merde. J'étais presque là. Oh là là. Chiant man. Bon bah du coup mon plan il marche moins bien. Hein. Et genre si je le mets... Non. Allez vas-y c'est bon. Hop. Eau de feu. Parfait. Parfait. Declan, I have what I need. I'm going into the greenhouse. So I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poisoned. It could work. Ça marche pas, ça, hein? Non. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. C'est pas une bonne idée, hein. Quoi? Pourquoi je te tue? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi, non? Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius and no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Donc en gros, il veut que je cours, que je sprinte, sans air dans mes poumons, à moins 19 dehors sur Mars. Bon, on va se manier le cul, hein. C'est où? Je connais pas le chemin. Moi, je suis les lumières. Ah ouais, ça fait loin quand même. Bien. Jane, come on, check in. I'm here. L'arbre empoisonné. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans un environnement envahi par des plantes mutantes? Hoping I'm not going into shock. Dans le noir. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Avec Lovecraft Junior qui rôde. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing.
Ah, d'accord. Allez, casse-toi. Ah! Oh! Merci pour le host. Le petit Wilhelm Scream qui va bien. Lovecraft Junior. Zouk, il est passé. Je suis sûr, il a muté, il est devenu géant. Huh. Je sais pas si t'es vrai, mais tu m'as tué. Bah, je suis mort aussi, hein, quelque part, donc. Lapin? Quel lapin? Ils sont jolis les plantes. Ah ouais, 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 il y a beaucoup de couleurs. Elles sont foisonnantes. Et si en fait il n'y avait pas de déclan, il y avait même, si en fait il n'y avait même pas de base, et si tout ça c'était une alu du gars depuis le début. Et si en fait depuis le début c'était un patient de l'asile d'Arkham. Et qu'en fait eh ben rien de tout ça n'était vrai. Ça vous emboucherait un coin, ça. Hein. There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. La pub qui se coule avec les lapins et les chercheurs fous qui leur courent après. Et donc? Well, Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Alors, en soi, je comprends leur plan. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. Told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently, we're going to find out. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus. J'apprends tes classiques. Ouais. Oui, bah c'est Lovecraft, quoi. Voilà, Arca, Miskatonic, tout ça. Faut lire Lovecraft, hein. Il faut lire, vraiment. C'est, il faut. Lovecraft Junior, il se fait très absent, je trouve. C'est pas vraiment... Mais comment... À quoi d'autre? Alors, c'est une vaste question, mademoiselle Clara, parce qu'en fait... Je joue à beaucoup de jeux, ouais, Gears of War, Halo... bon, ça c'est quand je joue en coop avec Aradeus. Sinon, je fais pas mal de jeux que je ne finis la plupart du temps jamais. Enfin, je l'ai fini quand même, hein, mais des fois ça me prend du temps.
Ah, bonjour. Sinon, mais putain, mais tu vas le planter ce... Son nom est Gordon Freeman. J'ai une chaîne YouTube, hein, Mademoiselle Clara, je t'invite à aller t'abonner. Raclure. Tu peux aller jeter un œil. C'est ouvert au public. Mais pas... Enfin, c'est pas... Comment dire? The Surge qui l'a pas fini. C'est vrai que The Surge, faudrait peut-être que je le continue, un de ces quatre. Ça pourrait être pas mal, oui, effectivement. Streamer en mousse. Waouh, enfin, ça va. Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Cue me. Please. C'est ce que je me tue à faire depuis le début, hein, mais... Putain. Niveau 5. I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Eh mais là, je vais pouvoir ouvrir toutes les portes là. Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My god, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. Mais tu vas mourir le truc là? We're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy. I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh. Fuck off. Enough, both of you. Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Copy. We're headed to the cliffside. C'est fini de parler de mes shorts, ouais, putain. Supportable. I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be... Des plantes comme dans le jeu dessus. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Je sors par où? Par là? Ouais, ça doit être par là. Ah bah non. Mais ça, c'est quoi? YouTube, ce sera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, salut!